Bien, amigos de MGZ, mi nombre es Víctor Corcuera y de las Crónicas de Ruta me da un saltito aquí a este excelente programa. ¿Por qué? Porque gracias al turismo cultural hoy día hemos conocido a una personalidad a nivel mundial. Nos referimos a Frédéric Jonnot. Frédéric era venido al Perú y del 20% de su interés de conocer el Perú solamente era Machu Picchu y Cusco. El 80% era conocer todo lo que es el Perú, los lugares donde cultivan la papa, el tomate, la papaya y quiénes lo cultivan. Frédéric, vraiment c'est un plaisir d'être avec vous et vraiment surtout pour nous, pour les gens de la Canal 39, de vous faire une interview et de savoir un peu plus sur votre émission en France. Victor, bonjour d'abord et merci de m'avoir invité parce que déjà d'être dans une université pour moi c'est un grand symbole, c'est très important puisque j'ai créé l'Académie du fruit et légumes qui est fait aussi pour transmettre le savoir de nos ancêtres. Et effectivement, au Pérou, il y a énormément de choses que vous ont transmis les ancêtres depuis bien avant ce que l'on pense, nous, en Europe. Donc pour moi, c'est un grand honneur. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Frédéric Jonnot, j'ai une cinquantaine d'années et j'ai passé 35 ans de ma vie entre la cuisine et les champs. Mes grands-parents étaient agriculteurs et moi-même, je suis cuisinier depuis 25 ans. Et j'ai arrêté il y a 25 ans en France la cuisine pour me consacrer à mon rêve, porter la bonne parole des fruits et des légumes à tous mes amis cuisiniers, mais à tous les Français qui ont des mauvaises connaissances sur les fruits et les légumes. On va sur des marchés, on achète des tomates, on ne connaît plus la saison en France. On achète des pommes de terre au téléphone pour un chef de cuisine. On n'a plus les contacts avec le marché parce qu'on est dans un monde moderne. Donc moi j'aimerais avec cette académie, d'où ma venue ici, de rechercher, de me ressourcer auprès des produits tels qu'ils étaient dans l'origine. Et pour moi il y a deux pays au monde qui sont les plus importants. C'est le Pérou en premier qui nous ont donné une grande partie de nos légumes qu'on ne connaissait pas nous en Europe au Moyen-Âge. Donc avec les découvertes des conquistadors et d'autres qui nous ont apporté ces légumes en Europe. Et l'autre pays, c'est le nord de la Thaïlande, c'est la Chine. Donc voilà, avec d'autres produits comme les agrumes. C'est-à-dire que le Pérou, c'est vraiment une source des produits de légumes et de fruits. Vous m'avez raconté qu'en France, il y a l'académie, mais aussi que vous allez bientôt, en octobre, à faire la fondation de l'école. Vous pouvez nous parler un peu sur cette école bientôt à être inaugurée? Bien sûr. Alors, l'académie, forcément, c'est une base de données virtuelle où on ne fait que rechercher des informations et on les transmet aujourd'hui par tous les moyens comme l'Internet, comme des documents, des livres, hein, puisque j'ai plus de 40 livres que j'ai écrits. Mais maintenant, ce n'était pas suffisant. Moi, ce que je voulais faire, mon rêve, c'était de créer un espace, donc une école physique où les gens puissent venir apprendre de la technique de l'épluchage, donc comment éplucher un légume, comment le couper, puisqu'il y a plein de sortes de couper les légumes, comment les cuisiner avec les technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des fours, micro-ondes, fours classiques, des fumoirs, des fours d'il y a 300 ans, 15 000 ans ou modernes, et puis le côté artistique comme on va voir bientôt. Ça c'est super intéressant, vraiment savoir comment les fruits et légumes avec la main de l'homme peut être transformée en beauté, en œuvre d'art, n'est-ce pas? Estamos hablando que en este momento, Frédéric va transformar las frutas en obras de arte, ¿verdad? Frédéric, como las fotos que están viendo en este momento, él transforma obras de arte como por ejemplo de Van Gogh, pinturas costumbristas, pero con frutas y legumbres, y él puede hacer lo mismo de realmente con una calidad realmente impresionante. Juste avant de commencer, cet art-là, c'est un art asiatique qui a plus de 1000 ans. Donc vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé, simplement au fil des siècles, comme la culture a évolué au Pérou, la sculpture a évolué. Et en Europe, ça devient quelque chose de très important maintenant, au point qu'il y a des concours, il y a un championnat de France, il y a un championnat d'Europe et il y a un championnat du monde. Qui n'a rien à voir avec le col bleu-blanc-rouge que j'ai, qui lui est un titre de meilleur ouvrier de France, qui est encore au-dessus d'un championnat du monde. Et comme ça, vous avez le droit de porter les trois couleurs.
Exactement. Et c'est vraiment, c'est nos Jeux Olympiques à nous, de nos métiers. Et qu'en France, il n'y a que 5. Voilà. Donc nous, on a le plaisir d'être avec quelqu'un des 5 au niveau français, ici à Trujillo. N'est-ce pas? Non, Victor, c'est moi qui ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ici. Voilà, donc, manos a la obra, on commence le spectacle. Alors, on va commencer par quelque chose que je voulais vous montrer, une petite technique que j'ai créée il y a une quinzaine d'années. Et pour moi, c'est important parce que c'est un fruit que vous ne connaissez pas ici, forcément. La pomme. Et on va voir comment on peut. Et puis on m'a dit qu'il y avait un cocktail que j'ai goûté qui était pas mal, qui s'appelle Pisco, le Pisco Sour ou Pisco Sour. Voilà. Et ben moi, je peux le décorer avec quelque chose de très très rapide. Ah oui, ça c'est intéressant. Hein, les cocktails nationaux avec une décoration. Décoration française. Voilà. Donc on va voir. On va voir. On est entre amis, ou si on veut, pour les Péruviens, un petit conseil, quand vous faites ça comme ça, avec les filles, ça marche très bien. Je veux rajouter. Non. Le but, en fait, de la décoration, c'est que moi, j'ai mis au moins au point des méthodes de décoration par métier. On a vu le bar, on voit la salle avec des décorations de centre de table, on voit les cuisiniers avec les buffets, on voit les pâtissiers avec les gâteaux, les bouchers pour décorer leurs vitrines. En fait, j'ai mis au point des techniques par métier. Et ça, c'est très nouveau. Y bueno, finalmente, Frédéric terminó. Según Frédéric, la papaya es una de las frutas más complicadas a hacer la decoración como acaba de hacerlo. Hoy día ha trabajado la manzana, la papaya, y para MGZ esperamos que esto haya sido realmente de un placer y sobre todo de enseñanza. Continuamos en MGZ.